Énorme ce soir et on s'était dit dans le vestiaire qu'il fallait vraiment commencer le match par le bon bout avec la même envie que ce qu'on avait pu présenter dimanche. Écoute, les filles sur le terrain ont été exemplaires du début jusqu'à la fin, avec plein d'ambition, plein d'engagement, plein d'envie, en plus du plaisir pris et du plaisir donné, donc tout était parfait. Bah oui, parce qu'on a plutôt l'habitude de mal commencer nos matchs en championnat, donc on s'est dit qu'on était sur une bonne dynamique et on ne pouvait pas redescendre le niveau, donc on a essayé de faire pareil ou mieux. Donc, parce qu'on savait que Nantes avait des options tactiques pour nous perturber. Donc c'était important qu'on débute bien la deuxième mi-temps pour ne pas leur laisser espérer que, de revenir. Donc on a su le faire encore une fois et il faut saluer les filles. Oui, c'est ça. On s'est juste dit dans le vestiaire qu'il ne faut pas baisser le rythme, qu'il faut enchaîner comme ça, que surtout en défense, on était très bien. Surtout Sandra derrière, elle était énorme. Donc rien à dire et qu'on te défend bien, après c'est plus facile derrière de faire des montées de balles et tout ça, donc c'était super. Bah, c'est ça ce que j'ai dit en fait, qu'on a parlé pourquoi en janvier on n'était pas si bien. Après, toujours peut arriver un match pas bien, même si on est dans le rythme, donc je ne veux pas trop dire, voilà, parce que là on a bien joué, que peut-être samedi, on ne sait jamais, dimanche. Donc voilà, mais je pense quand même que le rythme chaque 3 jours, des matchs chaque 3 jours nous plaît beaucoup plus qu'un par semaine. Exactement, il ne faut pas penser que ça va être facile, surtout je connais beaucoup cette équipe et je connais des joueuses, elles sont très très combatives, elles m'ont vraiment tout donné, surtout à la maison elles jouent bien, donc voilà, ça va être pas facile, il ne faut pas penser que ça va être facile, donc il faut vraiment tout donner et voilà.